Okay, so welcome all to this session, this after lunch session. My name is Victor Garcia. I'm part of the Android team, the mobile team. He's Jose Garcia in the Android team as Bonsoir, well. je vous souhaite la bienvenue à cette session We are not family, après la but pause Garcia déjeuner. is quite a common surname, last name in Spain. Right? Nous avons le même nom de famille, mais nous ne sommes Garcia. pas des frères parce que c'est une autre famille très Okay. commune en Espagne. Welcome to this session about it's called Beyond Connectivity because it's we are Bienvenue à cette connected session qui more. est titrée We are not Au-delà de la connectors, but connectivité. actually this is more about Nous use n'allons pas cases. beaucoup parler, ce sera des How to cas address d'utilisation. online challenge Comment est-ce que les gens font in face à projects. leurs difficultés dans leurs So différents projets? as I said, this is about use case. We are going to have four use cases with a Et comme j'ai presentation. dit, c'est The first une one, session and sur les cas then we are d'utilisation. open for Il y aura question and answers. plusieurs et ensuite on va poser des As you can questions et y see, répondre. online challenge Comme is vous a process. pouvez le voir, c'est un sujet We'll see assez different complexe. kind of solutions because when Nous allons you go voir online, plusieurs types de it's not solutions always the same parce solution. que It's just quand a on dit diagram que c'est des solutions hors réseau, c'est or a différent. cloud or an application has Quand on parle des our applications application. utilisées hors We can réseau, see different l'équipe mobile approaches. parlera de cela. Thanks On verra to plusieurs approches. the French translation. Cependant, si vous avez besoin d'une I'm interprétation en français, cela est gonna disponible dans open Zoom. Zoom and using Vous devez vous connecter dans Zoom your plug, you will en have the French translation. utilisant vos casques et vous allez suivre I la see version more people française. coming in. Je Well, vois plusieurs personnes qui entrent. Soyez les bienvenus. so yeah. Yeah, it's going to wait a little bit. Alors, peut-être on va patienter encore quelques instants. Okay, you can come down here if you want. Don't be shy. Vous pouvez I have descendre un little peu space de ce for you. côté. No? Il y a plusieurs Yeah. espaces vides ici. So, as I said, this session, Alors, comme j'ai we are dit, here cette session, just to nous sommes present là. the use cases. So, we are going to Nous start verrons with les the cas first use d'utilisation. case. On commencera avec le premier. Presenter is Mikhailo Le Susko. présentateur, c'est He's a Mikhailo Ukrainian Susko Red Cross Society. de Yeah, he's going to la present Croix-Rouge ukrainienne. its use case Il présentera son cas in Ukraine. d'utilisation So, can you en guys Ukraine. hear us? I think, yeah. I hear you, I hear you. Yeah, we can hear you as well. Oui, nous vous écoutons. So please, can you share the slides? Alors, est-ce que Yeah, vous pouvez sure. partager votre diapo? See your presentation. So the floor is yours. Alors, je vois la présentation. Vous avez la parole. Okay. You see my presentation, yeah? Alors, vous voyez ma présentation, n'est-ce pas? Okay, excellent. Super. My name is Mikhailo. I Je am the m'appelle project manager of the Mikhail Ukrainian Red Cross et Society and je suis au sein de la assist Croix-Rouge mentors in Ukraine. ukrainienne. Je suis l'un I des know a little implémenteurs bit de DHSE en about Ukraine et je DHSE vous parle de because comment est-ce que le when DHSE nous a aidés emergency response à team. accélérer les réponses aux urgences en Ukraine. Following the 2022 Alors, escalation of armed après conflict in que Ukraine, le conflit this armé en emergency response team 2022 ait joined gagné du recently terrain, l'Ukraine a mobile fait team to face à support plusieurs local problèmes citizens and socio-économiques et displaced il y persons. avait des problèmes de This santé time, parce qu'il y avait des déplacés. to address Et this, pour the répondre Red Cross initiated mobile à care cette units crise, and il y a eu shifted l'unité into mobile 190 de regions across la all of Croix-Rouge Ukraine qui with a the couvert support of 120 local régions. movement partners. 22 régions, pardon, en Families Ukraine comprising avec doctors, des partenaires. Il y avait pharmacists, des docteurs, nurses play a des vital role médecins, des in infirmiers et providing des chauffeurs qui ont healthcare joué un rôle service and prépondérant pour real-time pouvoir humanitarian donner assistance. des soins, des premiers soins durant la crise humanitaire qu'il y a en Following Ukraine. 2022, En the octobre Norwegian Red Cross 2022, introduced DHAS2 in la Perpignan Croix-Rouge and a Khmelnytsky to mis en establish place le new DHSE2 operations mobile strengthening pour efficacy pouvoir and effectiveness in individual démontrer case management
le besoin de la gestion des données et de l'analyse des rapports. Donc, ce qui veut dire qu'on a utilisé le DHCS2 pour que ce soit adopté dans toutes les régions ukrainiennes et nous avons mis en place un système primaire. Donc, nous avons fait beaucoup de formations en utilisant des guides et des formations au processus. Alors, nous allons parler des statistiques de l'utilisation du DHIS2. Donc, depuis le lancement en octobre 2022, le DHIS2 a été déployé dans 22 régions de l'Ukraine. Et cela est utilisé présentement par 120 unités du ministère de la Santé avec plus de 500 000 événements enregistrés. Et il y a trois régions qui ont utilisé le DHIS2 de manière plus exhaustive. Et présentement, le DHIS2 est actif dans une région pilote et nous rassemblons les données avec les équipes pour pouvoir expliquer les données. Donc, maintenant, il y a les nombres pour les réhabilitations et ce n'est pas très impressionnant parce que c'est différent par rapport aux soins primaires où il y a les 22 régions qui sont prises en compte. Alors, l'implémentation du DHIS2 qui a été utilisée dans plusieurs régions est attribuée à plusieurs facteurs clés parce qu'il y avait l'unité de transformation des données qui a mis en place une équipe dédiée pour pouvoir prendre en compte tout ce qui concerne le DHIS2. Et il y a eu encore des collaborations et également du mentorat avec la Croix-Rouge norvégienne qui a joué un rôle prépondérant. Il est important de rappeler également que la simplicité du DHIS2 a aidé les utilisateurs. Sa configuration était flexible et a facilité l'utilisation. La capacité que l'application de DHIS2 peut être utilisée hors réseau a aidé à la collecte des données beaucoup plus facilement. Par rapport à l'application Android, on va analyser les pour et les contre. Comme vous pouvez voir sur cette diapo, il y a des pour, des avantages qui, notamment la simplicité et le fait que ce soit intuitif et également ça facilite l'utilisation alors à chaque utilisateur. Il y a le GPS également. Cette fonctionnalité du GPS de l'application Android est utilisée pour pouvoir enregistrer les données. Ça permet de pouvoir mettre en place des cartes de couverture, ce qui fait que les partenaires puissent voir là où est-ce que nous prodiguons nos services. Également, il y a cette capacité au réseau qui permet à tout un chacun de valider les données sans avoir besoin de la connexion. Maintenant, il y a le budget qui aide beaucoup parce que l'application est très est gratuite et on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour acheter un grand téléphone avant de l'utiliser. Donc, même les téléphones les plus simples peuvent l'utiliser. Donc, dans nos régions, on a environ 80 travailleurs sociaux qui peuvent utiliser le DHIS2, surtout son programme de tracking sur leur appareil personnel, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin d'acheter un appareil particulier pour nos membres du personnel. Maintenant, par rapport à cette capacité au réseau, c'est très important parce que si on veut atteindre les personnes les plus vulnérables, et à ceux qui sont dans des lieux très éloignés, sans connexion Internet stable. Et comme vous l'avez bien suivi, il y a beaucoup de coupures d'électricité dans notre pays et même dans les grandes villes. C'est un grand problème. C'est pour cela que l'application Android est d'une importance capitale pour nous. Maintenant, malgré tous ces avantages, nous avons fait face à quelques difficultés.
Premièrement, ce n'est pas utilisable sur iPhone parce que la plupart des utilisateurs ont des iPhones et malheureusement ne peuvent pas utiliser leurs données personnelles pour pouvoir prendre les données. Et donc, c'est très difficile. La localisation également est incomplète parce que même dans le téléphone Android, il y a la localisation pour les villages ukrainiens qui n'est pas complète. C'est pour cela qu'il y a des répercussions sur l'utilisation de nos partenaires. Ce qui signifie que si la personne ne parle pas anglais, c'est un peu difficile. Maintenant, un autre problème, c'est la question de synchronisation. Depuis le lancement en octobre 2022, nous avons fait face à plusieurs difficultés, mais la plupart de ces difficultés ont un lien avec le fait qu'il n'y ait pas un seul attribut au programme, c'est-à-dire qu'on utilise normalement une approche spécifique pour les bénéficiaires par rapport à, en se basant sur leur nom, leur prénom, leur date d'anniversaire. Normalement, c'est censé être un code unique pour éviter les doublons. Maintenant, les utilisateurs finaux peuvent peut-être être tentés d'ajouter une personne qui est déjà dans le système, mais puisque les données ne sont pas encore synchronisées, on ajoute cette donnée-là, ce qui crée des doublons parce que l'utilisateur ne voit pas ce bénéficiaire, ce qui fait que on va encore ajouter ce bénéficiaire comme étant unique. Mais quand la connexion Internet vient et qu'on essaie de synchroniser cette personne qui a été enregistrée, on voit justement un message d'erreur qui s'affiche. Aujourd'hui, j'aimerais parler des propriétés de migration des données et l'appropriation. Il y a la législation nationale qui permet d'avoir une certaine autonomie par rapport à la modification du système. Le DHIS2 a mis en place la décision stratégique pour permettre l'appropriation locale du DHIS2 dans tous les pays, ce qui autorise la migration des données dans les serveurs personnels des utilisateurs. Ce processus a été mis en place par le système BAO et cela a été un succès. Maintenant, nous avons peur de faire des changements parce que nous avons peur que cela ne soit pas intégré à notre système local. Maintenant, ici, vous voyez nos perspectives par rapport à 2024 et 2025. Premièrement, par rapport aux soins de santé primaire, nous allons accroître l'usage analytique du DHIS2 pour la prise de décision basée sur les événements. Et présentement, nous travaillons avec les différentes équipes pour pouvoir mettre en place des rapports et des décisions pour que les analyses soient de plus en plus efficaces. Nous voulons développer notre approche analytique des données. Maintenant, par rapport aux soins à domicile, vous voyez dans les diapos que ce n'est pas dans toutes les régions, donc nous avons prévu de pouvoir atteindre toutes les régions d'ici 2025. La même chose pour la réhabilitation. Maintenant, pour résumer mes propos, je peux vous assurer que malgré les difficultés que nous avons, nous sommes engagés avec au développement du DHIS en Ukraine et nous espérons pouvoir étendre ces données pour la réhabilitation et pour les soins de santé à domicile en 2024 et en 2025. Merci de votre aimable attention. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup. OK, merci. Très bonne présentation, tout est clair. En 5 minutes, je crois. Si quelqu'un a une question pour Mikhail, vous pouvez y aller. Oui, il y a une question. Nous avons une question, Mikhail. Merci beaucoup. Je viens d'Éthiopie. Je suis éthiopien et
J'ai une petite question. Voici la question. From your experience, À partir how de do votre you influence expérience, private institutions to adapt their choice comment est-ce to que your vos experience? encours... Yeah. How do you enforce? I didn't hear you good. J'ai pas bien Back suivi to la question. Est-ce que vous pouvez how répéter? you enforce private institutions to adapt their choice to any country? Comment Is it encouragez-vous, still up encouragerez-vous les institutions privées à l'adoption du DHISD dans leur pays? Let me clarify, please. Permettez-moi de Do clarifier votre we question. enforce the DHS in our regions? Vous demandez comment Is est-ce qu'on a mis en our place le yeah, DHISD is dans our notre région, il a dit, institutions, dans private les institutions? institutions Yeah, privées, oui. that's the question. Have to enforce private institutions to use DHS2? Comment Donc, encourager les institutions privées à utiliser le DHSE? Nous ne le faisons pas. Nous utilisons le DHSE juste pour la société de Croix-Rouge ukrainienne. Moi, je ne sais pas si le DHSE est utilisé en dehors de la Croix-Rouge ukrainienne dans les institutions privées. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à votre question. Thank you so much for the Merci nice beaucoup presentation. I pour really la présentation. appreciate the presentation so much. J'ai beaucoup apprécié It votre has answered some présentation. of the questions that I was trying to ask, but one question remains J'avais une outstanding. question à demander. The question is about the GPS C'est geocoding par system, rapport which au I GPS. Vous savez, the distribution of the nous avons LPI is done through essayé mass campaign in the community. la We have been distribution doing outreaches des through ourselves. moustiquaires chez We nous have et de la même sometimes manière que sometime vous it is faites called votre travail chez outselling vous. the region. Et So généralement, quand on prend les I données, assume finalement, calling les some of the coordonnées ocean ice tombent and ailleurs. Par wherever exemple, on se we retrouve are in dans Europe, l'océan, situations aux like that. États-Unis. Or, on est au Soudan du From your Sud. experience, Donc, à how partir de votre do you expérience, with comment your est-ce que vous avez position fait GPS in the cette DHS2 system? question du Thank you very GPS much. dans le For système my case, DHSD? the usage of GPS functionality is very simple Cette fonctionnalité est because très simple. we use it only within a home based care program and primary care On support utilise cela pour les facilities. So programmes de soins à here, domicile. our Et team nous, goes qu'est-ce to que nous the faisons GPS quand l'équipe and part sur le lieu? opens the app Ils and ouvrent l'application starts to register the visit. et commencent Because à if the enregistrer visit, les données. the team choose the field with coordinate type Et data eux, ils and choisissent against that le the type coordinates de valeur et les received coordonnées. on the Ces device. coordonnées sont And reçues we sur use it only in l'appareil. Ukraine. Nous utilisons cela en Ukraine. And it help us to Et cela prepare nous a different aidé à maps of préparer différentes open paths. cartographies pour nos Okay. partenaires. Yeah, we have at least two more questions. Okay, On a third. encore deux questions I ici. think four. Okay, maybe because we have to move on to the. We have four use cases in total. So On a maybe you quatre cas can d'utilisation au this next total. two questions and move for the next one. And maybe at the end, if we have some time, we can sum up. Okay. Peut-être à la fin, on peut toujours revenir là-dessus si on a du temps. Thank you. Thank you very much Merci. for your presentation. Merci It pour votre seems présentation. that the rollout of DHS2 went Si on quite comprend, le smoothly déploiement in a du short DHIS2 period of se time. passe très bien à Congratulations. votre I'm niveau, interested to félicitations. know Mais does data entry je veux into savoir qui fait USGS is done by l'entrée medical des données professionals au sein de la or Croix-Rouge. in C'est fait services, par or do you need le service only staff? médical où il y a un Is there a personnel manual dédié. Et si interpretation? c'est les professionnels de If la your santé qui guest font cela, has concerns, comment est-ce que vous gérez la comment? Thank question you. de la charge de travail Thank you à ces for the question. médecins-là ou ce personnel de la santé? OK, merci pour la question. La plupart du temps, l'entrée des données est faite par For some le programs, personnel for de some santé. directions, such as Mais home-based care, pour
les soins de santé, l'enrôlement est fait par le coordinateur de la région. Parce que dans les situations de soins de santé à domicile, il faut l'accord du bénéficiaire et c'est beaucoup de travail, surtout pour un enrôlement initial. Cela est fait par le coordonnateur de la région, mais la plupart de nos données sont entrées par des personnels de santé. Présentement, nous avons environ 200 utilisateurs finaux et nous n'avons pas fait face à des implications par rapport à la charge de travail. Peut-être devriez-vous bien clarifier la partie de la question que je ne saisis pas bien pour que je puisse la clarifier. Je ne sais plus combien de temps nous avons. Oui, la deuxième partie de ma question, c'est la charge de travail. Parce que les professionnels de santé ont déjà beaucoup de travail, est-ce que vous avez des mesures incitatives pour qu'ils puissent faire, l'entrée des données dans le DHCSE? Qu'est-ce que vous faites? Bon, nous avons évalué la charge de travail pour chaque entrée et nous avons rendu le formulaire aussi simple que possible. Par exemple, pour l'unité médicale, c'est 1 minute 30 secondes pour entrer les données, 90 secondes. C'est la moyenne pour l'entrée des données d'un bénéficiaire. Nous avons également essayé d'enlever toute la paperasse qui n'est pas nécessaire. Au cours de l'implémentation du DHS2, il y a eu beaucoup de travail de paperasse, comme les calculs Excel, etc. Il fallait préparer des rapports mensuels, etc. Maintenant, il y a un certain temps qui est dédié à l'enregistrement des données, et ce qui signifie que la charge de travail a augmenté, certes, mais ils comprennent que ça leur permet de réduire le temps à dédier à certains patients parce que ils ne font plus le travail de paperasse qu'ils faisaient après avoir pris les données. J'aimerais faire un petit commentaire. C'est vrai que ça brise de traîner la conversation, mais voici ce que j'ai en tête. Ça veut dire que vous faites une entrée des données numérique et non manuelle et vous avez annulé tout le travail manuel par rapport à la paperasse. Je veux dire, par exemple, au coordonnateur que dans l'application Android, il n'y a pas toujours une précision 100%. C'est pour ça qu'on travaille sur la prochaine version. C'est très important parce que quand il y a des campagnes dans les ménages, il faut une bonne précision. Donc, on va essayer de travailler et donner plus d'informations aux utilisateurs par rapport à la précision. On va essayer d'aider les utilisateurs pour être le plus précis possible. Mais si on fait une certaine localisation, on se retrouve dans l'océan, je crois que ça ne nous aide pas beaucoup. Donc, Michaela, merci beaucoup pour la présentation. On va continuer à s'échanger des mails. Je suis heureux d'avoir pu apprendre votre expérience. Vous avez deux contres. Il y a d'abord le gros problème d'utilisation d'iPhone et le deuxième, c'est la question de localisation. Donc,
On a bien pris note de cela et l'audience également. Maintenant, par rapport à la traduction, ce n'est pas à nous de traduire l'application. Donc, vous traduisez cela. Donc, si vous nous écrivez, vous dites que vous avez besoin de l'application en ukrainien, nous ne parlons pas cette langue. Donc, c'est difficile pour nous de traduire cela. On a les contacts, donc on va échanger pour voir comment est-ce qu'on peut avoir la version ukrainienne de l'application. Merci beaucoup. Merci, merci, Michael. Encore trois, quatre questions. J'espère que nous avons du, si nous avons du temps à la fin, nous allons en parler. Merci beaucoup, Mikhailo. Okay, so it's Matur Den Tien from the Ministry of Health of Sudan. Alors, c'est Matur Ting du ministère de Santé à Soudan, justement, qui va présenter la distribution de moustiquaires imprégnés au Sud-Soudan. Oui, c'est bon. Allez-y, une dizaine de minutes pour présenter parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. I hope you. I'm loud. J'espère qu'on m'entend. Merci beaucoup. Je vous salue depuis de la part de toute l'équipe au Sud-Soudan. Je m'appelle Matou Ting du ministère de la Santé. Et je suis à la tête du HISP et je suis chargé de la distribution de moustiquaires imprégnés dans le pays. Nous avons commencé la distribution en 2022, en décembre, et la numérisation est devenue obligatoire pour la distribution et c'était très difficile pour nous parce que les donateurs voulaient que la distribution soit numérique et pendant le passé, on n'avait jamais expérimenté cela. On a fait de notre mieux pour pouvoir répondre à certaines exigences. J'ai besoin d'assistance pour défiler la diapo, s'il vous plaît. Slideshow. Thank you so much. That's actually the map C'est of my parfait. country, the map of Donc my country. voici la carte de mon You have pays, le seen Soudan du Sud. the keys, the green. Vous voyez des I'm not good couleurs. at colors anyway. Je ne suis pas But très you can doué see pour the les green couleurs, mais color more or vous less voyez representing the region. le And vert if you foncé où il look y a at our beaucoup de distribution. preparedness from South Sudan, Et ce serait you can bien que see j'ai des someone who's témoins qui some viennent voices there. du Soudan du She's Sud. Voilà, she's from la South voilà. Sudan. She knows all these Elle est au Soudan du locations. Sud. Elle connaît We've distributed tous ces lieux. so many nets, you could On see. a distribué And the beaucoup DHS, de the DHS moustiquaires. platform Le DHS2 a été at utilisé comme la plateforme pour Sudan distribuer ces started moustiquaires-là. in December Et ça 2022. a commencé en And it décembre actually 2022. kicks off in January 2023 Et until the end of nous avons 2023. continué So we jusqu'à slowly la developed the tool. fin de 2024 où ça prend la fin. It's like checking the whole system Donc, avant la to distribution, il fallait vérifier tout le système pour voir la data coming in compétence from du the système pour places of the pouvoir community. prendre en compte les données qui viennent To de avoid la some communauté shock et at the end of éviter the distribution. certains So we chocs have ISPO au milieu de la Tanzania for distribution. example, Donc, il y a ISPO sitting Tanzanie together qui nous soutient. to figure out what needs to be done before Et ils ont the vu ce transaction qu'il fallait is faire finalized. So avant la synchronisation des données. we had distributed Nous avons around distribué alors, 6-8 million, I think, nets, nous avons even if you take partagé out environ 8 Sudan. millions And de South moustiquaires Sudan is imprégnés pour 15 still millions de personnes. Le Soudan du Sud est un grand a pays small population. avec une So petite population. these were some of the steps that we undertook to make sure that Donc voilà les choses que distribution nous avons eu à faire facilities pour s'assurer que were la there distribution for a été faite. entrepreneurs, On a especially for créé those that are at the le national level, Master local communities TOT, with the
qui est au niveau national avec ceux qui ont l'expertise en gestion des données, qui ont des connaissances en informatique. On les a formés pour que eux, ils forment sur les autres au niveau national. Donc, il y a l'équipe technique qui a été formée au niveau national. Il y avait une formation de base pour les superviseurs et les agents d'enregistrement. Donc, cette formation nous a permis d'atteindre notre objectif. Le dernier niveau, c'est un niveau qui prend en compte les membres de la communauté. Certains n'ont jamais eu l'opportunité de voir même les derniers téléphones. Certains n'ont pas de smartphone. Les gens ne savent pas utiliser les gadgets. Donc, c'était pas très évident pour nous, mais il fallait s'assurer qu'ils étaient formés sur l'utilisation des téléphones et ensuite les former sur l'utilisation du DHIS2. Alors, le système a été mis en place et personnalisé pour répondre aux besoins de la distribution des moustiquaires au Sud-Soudan. La formation visait à doter ses agents de compétences nécessaires dans le DHIS2. Et donc, il y a des programmes qui ont été activés dans le système pour pouvoir prendre en compte les données qui ont des problèmes. Et le GPS a été intégré parce que c'est l'une des exigences venant des donateurs pour s'assurer qu'à la fin de la distribution, ils puissent savoir quel nombre de ménages a reçu les moustiquaires, etc. Donc, la fonctionnalité GPS a été activée et nous avons pris en compte les GPS, les foyers qui ont reçu leurs moustiquaires. Donc, il y a des localisations qui nous plaçaient hors de notre pays. Parfois, on s'est reçu de l'Afrique, aux États-Unis, en Chine, en Europe, etc. Donc, la localisation n'était pas précise. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Scott à Cape Town. Je lui ai parlé de cela. Il m'a dit que ce n'était pas un problème au Sud-Soudan, mais qu'ils essayaient de travailler là-dessus pour résoudre le problème. Ils espéraient que la prochaine version pourra mettre à jour ces données-là. Alors, nous avons essayé de faire la personnalisation et on a continué à faire la distribution qui se faisait de manière quotidienne. Voici la première vague des participants à la formation que nous avons eue en ville pour former les soutiens du système et les formateurs des formateurs. Donc, on essayait de s'assurer que la synchronisation des données puisse s'opérer au centre. Donc, ces membres de la communauté ont pu voir la collecte des données. On a essayé de former plusieurs collègues qui s'y connaissaient en informatique pour aller dans les pays, pour synchroniser les données dans le DHSE, essayer de voir si on a déjà coché toutes les cases. Et c'est une des choses qu'on a eu à faire. Et si vous voyez ce tableau de bord, cela a été personnalisé pour voir le nombre de moustiquaires distribués, le nombre de personnes ayant bénéficié de ces moustiquaires imprégnés, les hommes, les femmes enceintes et les personnes moins de 5 ans. Donc, au total, 15 millions de personnes ont bénéficié de cela. Vous pouvez voir le tableau de bord qui prend en compte les régions. On a 10 régions administratives, 13, pardon, administration et trois régions principales. Donc, ce tableau de bord est disponible sur DHIS2. Si vous avez les accréditations, vous pouvez voir toutes ces informations. Vous pouvez voir également là où nous étions, c'était très difficile de pouvoir atteindre les contrées reculées du pays et la distribution se faisait durant la saison pluvieuse. C'était un grand défi. La bonne chose qu'il y avait, c'est que on a essayé de mettre les moustiquaires dans des boîtes pour que même si cela tombe ou bien s'il y a de l'eau qui, s'il pleut,
L'eau ne va pas pénétrer dans ces moustiquaires-là. Donc, c'était très protégé. Et je crois que c'est un accomplissement pour l'équipe. Vous savez, le Sud-Soudan est un peu différent et ce n'est pas facile de mettre en œuvre les interventions dans la communauté durant la saison pluvieuse. Donc, vous voyez, voici notre équipe de soutien. On a Wilfried quelque part ici. Voici le soutien de système, du système DHS2 lorsque nous en faisons la mise d'implémentation. Donc, je suis à la fin de ma présentation. Je vous en remercie. Je peux prendre vos questions. On a déjà des questions. On va essayer de répondre à ces questions rapidement. Merci Mathieu pour ta présentation. J'ai une question, vous savez. Ici, nous voyons l'utilisation du DHS2 au-delà de la connectivité, c'est-à-dire s'il n'y a pas de connexion, comment est-ce qu'on peut tirer profit des avantages hors réseau? Ma question, c'est que vous avez dit que plusieurs ne pouvaient pas avoir accès aux données et vous devez avoir des gens avec la connaissance informatique pour faire cela. Est-ce qu'ils n'ont Est-ce pas que pu synchroniser parce qu'il y avait des problèmes d'Internet ou c'était un manque de compétences? Si c'était dû aux problèmes d'Internet, comment les gens qui étaient sur le terrain ont pu synchroniser les données? Comment cela a été réalisé? Parce que c'est vraiment très important à savoir. Merci beaucoup. Il y avait les deux. Le niveau de compétence était un problème et il y avait également le problème d'Internet. On a collecté les données hors ligne et puis on a essayé d'utiliser les tablettes jusqu'à 200. Donc, des données ont été collectées dans plus de 200 ménages hors ligne. Et puis, une fois connectés, les données ont été envoyées dans le système. Mais c'était difficile pour certaines régions du pays. Donc, nous avons créé cette calque pour résoudre le problème de la qualité de données. Un autre problème. Donc, il y a des tableaux de bord qui ne fonctionnaient pas bien dans l'application Android. Sinon, la directive de l'OMS, c'est une moustiquaire pour deux personnes. Donc, si c'est deux personnes, il faut donner une moustiquaire. Si c'est trois personnes, vous donnez deux. Donc, les totaux des moustiquaires à distribuer étaient en bas et c'était vraiment technique pour ceux qui ne comprenaient pas bien. Donc, comme je l'ai déjà indiqué, ce sont des gens qui n'ont jamais utilisé les outils numériques et certains avaient même du mal à comprendre et à savoir si s'il s'agissait d'un smartphone ou d'une tablette avec les différentes couches qu'on avait créées et qui nous avaient aidé à avancer beaucoup plus facilement. Voilà, c'était principalement ça la raison. J'attends les autres questions qui peuvent être posées. J'avais la même question, surtout par rapport au volume. Combien d'appareils avez-vous déployés? Combien d'enregistrements étaient gardés sur chaque appareil? Et parce que vous avez dit qu'il fallait synchroniser après 200 enregistrements, mais au total, combien d'enregistrements? Est-ce qu'avez-vous fait face aux problèmes de surcharge? Quelle était votre stratégie de gestion d'appareils? Panda.
Alors, il y avait 6 000 appareils, étant donné qu'il y avait des problèmes logistiques, et les 6 000 appareils n'étaient pas actifs au même moment. Donc, nous avons commencé avec 2 régions. La distribution a commencé dans 2 régions. Et puis, dans les autres régions, il y a eu des sessions de formation. Probablement, on avait autour de 2 000, 3 000 tablettes actives au même moment, et la synchronisation des données, généralement, avait lieu pendant la nuit de 19 h, à partir de 19 h. Parce qu'on collectait les outils dans l'après-midi, et à partir de 19 h, on activait la synchronisation. Nous avons un opérateur qui s'appelle MTN. Si vous avez une zone COVID, c'est un bouquet Internet qui vous donne 5 heures pour 1 giga. Et c'est ça qu'on utilisait pour synchroniser les données pendant la nuit. Et c'est plus rapide la nuit que la journée dans ces endroits-là. Donc, nous avons tiré profit de zone COVID pour pouvoir synchroniser nos données pendant la nuit. Un autre avantage, c'est que voilà, lorsque nous avons commencé la distribution en 2017, beaucoup de moustiquaires ont disparu. Lorsque nous avons commencé à utiliser DHSE, nous avons pu suivre de près les moustiquaires qui avaient été mis à la disposition, les moustiquaires qui avaient été distribués. Et si les moustiquaires ne se trouvent pas dans les ménages et ne se trouvent pas dans les stocks, cela veut dire que c'était avec le distributeur. Donc, on appelait les distributeurs, on lui disait, voilà, vous avez, il y a des moustiquaires qui manquent. Où sont-ils? Donc, voilà. C'était très intéressant et c'était secondaire. Ça, c'était voilà, un objectif, du moins une raison secondaire. Ce n'était pas la première raison, c'était une raison, je dirais, secondaire. Il y a 3 questions supplémentaires, mais voilà, vous pouvez les poser pendant la pause café. Il y a une question. De Zoom, on va essayer d'y répondre un peu plus tard. Vous voulez dire quelque chose? Il aimerait me compléter. Microphone, Le micro, s'il vous plaît. Un des défis auxquels nous avons fait face pendant la synchronisation, vous savez, il y avait des limites par rapport au nombre de dossiers qu'il fallait synchroniser à la fois. Nous avons dit aux volontaires qu'une fois que vous avez collecté ce genre de dossiers, il faut synchroniser avant de retourner à la distribution. Parce que lorsque on essayait de capturer les données, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, c'est un défi auquel nous avons fait face et nous avons formé ces volontaires et on leur a demandé de synchroniser les dossiers collectés avant de reprendre la distribution, afin que l'appareil puisse avoir de nouvelles valeurs pour la prochaine distribution. Voilà. C'est lui qui était mon boss et aujourd'hui il travaille dans un autre département. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre présentation. On va suivre la troisième présentation.
Yeah, I think I know. Okay. Yeah, we have. Yeah. So the next presentation is. Alors, la prochaine présentation, c'est la faite par Tuzo Engelbert, qui vient de Ispe, Tanzanie. Il va nous présenter un cas d'utilisation de l'Érythrée. Bonjour à tout le monde. Comme vous l'avez déjà entendu, je m'appelle Tuzo Engelbert. Je travaille à Ispe, Tanzanie, comme le chargeur, plutôt le conseiller en matière de système d'information. Un des moyens de soutenir le ministère de la Santé en Érythrée. Vous savez, l'Érythrée a beaucoup des cas d'utilisation un peu différents. Comme vous le savez, c'est un pays qui a été en conflit avec d'autres pays. Donc, ils sont hors ligne, ils ne sont pas connectés. Mais ils aimeraient vraiment avoir accès à des données et ils ont adopté le mode hors ligne et l'installation est un peu compliquée. Lors de notre soutien au ministère de la Santé, l'installation que nous utilisons là-bas, vous savez, nous avons une base de données nationale et centrale gérée par le ministère de la Santé. Et puis, il y a différents niveaux. Il y a Zoba, c'est une région. Il y a les sous-Zoba qui peuvent être décrits comme des districts dans d'autres pays. Alors, voilà notre méthodologie. On a d'abord formé le personnel national qui avait un background dans l'informatique, mais également les autres équipes ICT dans d'autres régions pour qu'ils puissent installer des HS2. Vous pouvez trouver, par exemple, pour le paludisme, pour les programmes, le paludisme, c'est géré dans des bureaux et ils ont un ordinateur de bureau qui ont été distribués par UNICEF au Global Fund. Et puis il y a une installation locale de DHS2. Et dans ce réseau local, il y a un IP, une adresse IP auquel ils doivent accéder. Donc, c'est ça l'installation qu'ils avaient lorsque nous avons commencé à les soutenir. La même approche était utilisée au niveau du ministère de la Santé, où ils ont une base de données centrale. C'est un serveur physique qui est là. Et puis, il faut installer DHS2 et puis après, il faut avoir, voilà, il faut former l'équipe nationale et à différents niveaux. Il y en a ce que l'on appelle les champions pour qu'ils puissent savoir comment installer des HIS2 au niveau local. C'est un pays qui a beaucoup de contraintes. Donc, si vous avez le droit d'aller dans une ville et vous n'avez pas le droit d'aller dans une autre. Donc, il fallait former ces équipes, surtout celles qui pouvaient aller dans d'autres villes. Donc, c'est la méthodologie qu'on a utilisée. Nous avons formé pour qu'ils puissent installer des HS2. La majorité utilisait Windows. Donc, on les a donné ce genre d'informations par rapport à l'installation des HS2. Maintenant, avec l'utilisation des métadonnées standardisées de l'OMS, donc il faut savoir ce qui se passe. Des fois, ils venaient avec quelques variables qui étaient configurées dans les données et ils essayaient de les installer. Donc, voilà, nous avons préparé des démos et nous avons montré comment il fallait les utiliser. Nous l'avons fait avec des flash disques.
que lorsqu'ils veulent, par exemple, utiliser les tableaux de bord sur le Palladium, mais ils puissent être capables de les installer dans la base de données nationale. Par exemple, voilà le type d'installation que nous faisions. Ici, nous configurons la base de données nationale au ministère de la Santé. C'est un serveur qui a été qui vient de Global Fund. Donc, ce sont les équipes IT. On leur montre comment il fallait installer des DHS2. Le mode de collecte de données, vous savez, il y a des installations locales qui ont été effectuées dans d'autres régions. Donc, ils collectaient les données à partir de leurs ordinateurs de bureau. Ils utilisaient même des flash disks. Et puis, ces données étaient importées vers la base de données nationale. Donc, le réseau local peut être utilisé par tout le ministère. Si le programme contre le paludisme veut accéder aux données, il faut d'abord se connecter à ce réseau local. Comme ça, il est connecté à DHS2. Une autre chose que nous avons constatée, il y a la mise à niveau. Lorsque nous étions là-bas, ils utilisaient l'ancienne version de DHS2. Donc, il fallait mettre à niveau DHS2, il fallait mettre à jour DHS2. C'était difficile, il fallait nettoyer, donc c'était un peu difficile. Donc, il y a toujours des problèmes. Ils ne peuvent pas, par exemple, mettre à jour DHSD lorsque la version sort. Vous savez, c'est difficile pour eux de communiquer avec les experts des autres pays. Donc, ils doivent attendre peut-être jusqu'à ce que nous soyons là-bas. Nous y allons une fois l'année. Et nous vérifions s'ils ont toujours besoin de mettre à jour DHS2. Vous savez, ils ne peuvent même pas télécharger DHS2, donc on leur apporte DHS2. Et comme ça, ils installent DHS2 sur l'ordinateur de bureau. Ici, j'étais en train de leur montrer comment utiliser le package de métadonnées standard de l'OMS concernant le VIH. Et le problème, c'est que voilà, c'est difficile d'exporter les données tracker avec un ordinateur et pouvoir après l'importer à la base de données, vers la base de données nationale. Ça, c'est l'une des raisons pourquoi nous avons contacté les utilisateurs, plutôt les développeurs d'Android. Donc, c'était difficile. La manière dont ils voulaient que ça se passe, vous savez, on capturait les données dans les registres et une fois qu'ils sont dans les bureaux, ils voulaient utiliser Android pour capturer les données et les synchroniser au niveau de leurs ordinateurs bureau. Donc, ça n'a pas marché. Nous sommes toujours en train de travailler avec l'équipe principale et on essaie de trouver des solutions. Donc, ils essaient de voir comment peuvent faciliter la capture de données pour enfin les transférer à la base de données nationale. Une autre chose, c'est la formation locale. Et donc, il fallait choisir quelques représentants qui devraient aller dans d'autres villes. Donc, la formation a eu lieu à Asmara, c'est la capitale d'Érythrée. Et puis, on leur donnait des informations pour qu'ils puissent aller avec, afin de former d'autres personnes par rapport à DHS2. Donc, on les forme, on leur donne toutes les informations nécessaires. Parce que, Maybe for the data capture, I might want to use
Parce qu'il y a quelqu'un qui veut, par exemple, qui a été formé pour capturer les données, il peut avoir besoin d'autres fonctionnalités. Donc, on a décidé de leur donner tout le paquet d'informations. Voilà, c'est quelques défis. Et chaque fois qu'ils ont des problèmes, est-ce qu'ils veulent communiquer? Voilà, il y a ce bureau des Nations Unies, et c'est le seul endroit où ils peuvent trouver accès à l'Internet. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils se rendent au bureau des Nations Unies et puis ils nous envoient un email. Et puis, on y répond et c'est au moment où ils retournent consulter les boîtes email qui vont trouver, n'est-ce pas, votre email. Est-ce que vous voulez montrer comment on fait la mise à jour? Ils vont essayer de pratiquer ce que vous leur avez appris. Et lorsque vous y retournez, vous expliquez selon les questions qu'ils vous posent. Un autre problème qu'ils ont, c'est l'instabilité de l'électricité. Par exemple, l'ancien serveur a eu un problème à cause de l'instabilité de l'électricité. Et à cause de ce même problème, même au niveau national, au ministère de la Santé, ils ont des problèmes d'électricité. Et lorsque vous êtes là en train de les former qu'il y a un problème d'électricité, vous arrêtez la formation. C'est ça la situation. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est ce qui se passe en Érythrée. Je vous remercie de m'avoir prêté une oreille attentive. Merci beaucoup. C'est l'une des installations les plus compliquées. Nous avons le temps pour une question. Je vois déjà une main levée. On va prendre une seule question avant de continuer. Donc, on doit garder vraiment du temps pour le réseautage. Donc, c'est pendant ce réseautage qu'il faudra poser des questions. On travaille avec MSF. Vous savez, nous faisons souvent face à ce problème de connectivité. J'aimerais comprendre mieux lorsqu'il y a des problèmes de connexion. Est-ce que vous avez utilisé l'application Android? Comment vous avez pu transférer les données, surtout lorsqu'il y avait des problèmes de connexion? Merci beaucoup. Comme je l'ai déjà indiqué, ils ont des installations locales de DHS2. Ils utilisent la version web et ils n'utilisent pas Android. Donc, ils ont installé DHS2 dans différents ordinateurs. Si vous allez à Zabzoba, c'est un district dans le bureau de la personne chargée des systèmes d'information, ils ont un ordinateur de bureau qui est connecté au réseau local. Donc, ils utilisent les câbles. Et puis, il y a une adresse IP. Si, par exemple, il y a un ordinateur portable, il faut se connecter à ce Wi-Fi. C'est du Wi-Fi en net, c'est ce qu'on appelle intranet. Et puis vous entrez et l'adresse IP. Étant donné qu'ils sont connectés, les données sont transférées à l'ordinateur de bureau du district. Donc, ça c'est pour les données agrégées, elles sont exportées et puis elles sont envoyées à celui qui est à la tête du système de gestion des formations sanitaires du ministère de la Santé. Ils vont envoyer cela avec flash disk. Et puis, lui, il va importer ces données vers la base de données nationale.
Pour les données trackers, nous avons piloté cela pour cinq grands hôpitaux. Mais on n'exportait pas les données trackers. On utilise l'application d'échange de données, le DHS2, et puis on exporte les données agrégées, on les envoie à la base de données nationale. Merci beaucoup. Okay, so let's go with the Alors, presentation. So it's nous allons continuer avec la Ibrahim quatrième Dawa présentation. is C'est the Ibrahim, senior software developer in the qui est University of Dar es Salaam. un And développeur à he's going l'université de to Dar es talk Salaam. about the use case in Tanzania. Il va nous parler d'un cas d'utilisation So yeah, en the floor Tanzanie. is yours. I think we can hear you fine. On espère pouvoir t'entendre. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Okay, thank you. Super. I'm Ibrahim Dawa. Alors, I'm working je m'appelle Ibrahim from Wekama. University DHS Toulouse. Je travaille au laboratoire de l'université, le laboratoire qui travaille sur DHS2. We'll showcase Nous allons vous montrer comment nous tirons profit de des plateformes DHS2 pour renforcer les systèmes sanitaires basés à la communauté en Tanzanie. Nous allons nous focaliser sur les cliniques mobiles qui soignent la tuberculose. Just a bit of an introduction. I Juste believe une most of you are familiar with introduction. Vous savez, la tuberculose reste un grand défi en matière de santé publique, surtout dans les pays avec des ressources limitées. La Tanzanie, c'est un pays très vaste et nous faisons face liée aux résultats sur la tuberculose, surtout dans les régions reculées où c'est difficile et vraiment d'arriver. Il n'y a pas de laboratoire ou de centre de santé. Il y a également la stigmatisation qui est liée à la recherche de traitement. Alors, dans son pays qui est très vaste et où il n'y a pas beaucoup de résultats liés à la tuberculose, en 2021, le ministère de la Santé en Tanzanie, surtout le programme qui combat la tuberculose et la lèpre, a introduit des interventions TB Mobile Clinic. Aujourd'hui, il y a cinq véhicules ou vans qui sont équipés avec des radios pour étendre l'éducation sur la maladie. Il peut y avoir des examens radiologiques. Ils peuvent également traiter les malades, ceux qui souffrent de la tuberculose, pour pouvoir améliorer la qualité des résultats. Maintenant, par rapport aux cliniques mobiles qui combattent la tuberculose, vous savez, souvent on les trouve dans les régions reculées parce que c'est pas vraiment pratique de déployer ce genre de van dans les véhicules parce qu'il y a déjà des hôpitaux. Donc, ils ciblent les régions reculées ou les personnes qui habitent dans les régions reculées en utilisant les vans qui sont équipés avec toute une panoplie d'équipements, y compris les radios, les machines gène expertes. Et puis il y a également des outils qui aident à tester davantage si, par exemple, vous êtes suspect. Il y a d'autres examens que vous devez faire et c'est disponible dans le même van. Donc, il y a des examens de laboratoire qui sont réalisés, qui sont effectués et qui se trouvent dans le van, comme je viens de le dire, surtout pour ceux qui sont testés positifs.
Voilà le flux. Il montre comment le van fonctionne. Donc, il y a les opérateurs de ce van mobile et puis il y a l'audience publique où les personnes, n'est-ce pas, sont examinées. Et donc, ils vont être examinés comme on le fait à l'accoutumée. Et puis, les cas qui sont identifiés sont présentés. Lorsque vous êtes soupçonné d'avoir la tuberculose, vous allez subir d'autres tests. Et puis, après la confirmation, vous serez identifié de patients de tuberculose. Et après, grâce au tracker, voilà, on pourra suivre de près le traitement de ces personnes. Alors, où se trouve le problème? Actuellement, l'installation des outils mobiles, souvent, dépend de beaucoup des outils basés sur papier, parce que ce sont des régions reculées sans accès à l'Internet. Donc, les données sont collectées via les papiers. Et un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés dans la gestion des ressources, comme le coût du carburant. Il y a également les problèmes de reddition de compte. Il y a des outils qui disparaissent qui ne laissent pas de traces. Il y a également le problème, il y a également le problème de suivi, surtout dans les régions reculées. Il y a des problèmes de suivi. Il y a beaucoup de données qui sont documentées sur papier. Au niveau national, c'est très vraiment difficile d'avoir accès à ces données au moment opportun. Donc, voilà, ça nous a amené à créer l'application TB Mobile Clinic, qui a été développé au niveau du laboratoire de l'Université de Dar es Salaam. Il y a une collaboration avec l'IHSD Lab et le ministère de la Santé pour voir comment, on a essayé de voir comment le processus commence et les examens médicaux, l'identification des cas positifs. Et puis, on essaie de tirer profit de ce qui est là pour améliorer l'efficience. C'est là qu'on a utilisé les applications personnalisables de DHS2 et qui ont facilité la tâche de collecte de données. Je ne vais pas tout lire, mais voilà, ça explique très bien. Nous avons utilisé l'application de capture pour capturer les données agrégées. Et une fois que les agents sanitaires avaient terminé les examens, également. Alors, nous avons développé cette application pour pouvoir capturer toutes les données, agréger des patients, mais aussi entrer les données liées aux cartouches utilisées, les médicaments distribués pour résoudre les problèmes de reddition de compte. Bien sûr, l'application devrait permettre aux opérateurs du van mobile de capturer les données en mode hors ligne et puis les envoyer un peu plus tard au serveur central. Et la fonctionnalité hors ligne était très importante, étant donné que les interventions impliquaient un van mobile qui, n'est-ce pas, parcourait des kilomètres
et dans différentes régions et sans avoir accès à l'Internet. So here in front is the digitized workflow in which Voilà le flux de travail est data digitalisé, où vous was avez des jets de processed données variées qui ont été développées, personnalisées into the offline pour mode. We also emphasize them to use gérer leurs the problèmes access to books, du mode offline. Nous leur avons demandé d'utiliser visual materials, VHS2, the tool plutôt learners can capture the data once they are comme ready ça, ils pouvaient capturer les données. to view Et une fois qu'ils eventual étaient view connectés, access il y to avait la books. synchronisation des données Okay. qui était, n'est-ce pas, envoyée au système national. Après Intermediate after this workflow cela, discussed in the Ministry of Health. Finally now, some interesting analysis et patterns voilà, il y a des emerging. analyses intéressantes Good for the et national c'était très, très team. They could have pertinent pour les équipes nationales information qui that pouvaient avoir they accès, un could accès rapide aux informations. make like 20 multiple phone calls in order to get Il the data. fallait, n'est-ce pas, Everything was being faire des appels pour pouvoir digitized. avoir accès You have your à ces informations. Mais maintenant, on peut avoir you can accès access à toutes sufficient les informations information sans avoir besoin de faire ces appels. Analyse de la gestion des ressources dans les cliniques mobiles. Voilà les différentes réalisations. D'abord, tableau de bord personnalisé qui permettait une visualisation rapide des données pour le suivi et la prise de décision par les acteurs. Avant, ce n'était pas possible de faire ce type de visualisation parce qu'il n'y avait pas de données disponibles. Et on pouvait avoir accès très rapidement. Aussi, les professionnels de la santé ont appris pas mal de choses par rapport aux tendances des examens, les résultats, des diagnostics. Et l'utilisation du laboratoire. Et ça a également permis de connaître le nombre de cartouches qui avaient été utilisées. Et avant, c'était difficile de connaître le nombre de cartouches utilisées, mais avec cette application, c'est devenu facile. Donc, c'est une solution qui a résolu les problèmes de complexité dans la gestion de la tuberculose dans les régions avec des ressources limitées. Quelles sont les opportunités qui se présentent à nous? Ce que nous avons présenté, nous avons un package de formulaires et de tableaux de bord pour la gestion de données des vannes mobiles sur la tuberculose. Et donc, c'est un package qui peut être adapté. Et le déploiement, plutôt des informations sur le déploiement. Et ça, également, ça ouvre la voie à l'intégration de l'application Mobile Clinic avec DHS2 ou tout autre système avec lequel nous aimerions échanger des données. Donc voilà les opportunités présentées par cette application. Je vous remercie. Okay, thank you very much, Ibrahim. Merci beaucoup, Ibrahim. We have time for one quick question. Hello, hello. Here, hello. Okay, yeah, thanks for the Oui, presentation. This alors merci pour la So, présentation. I Je suis du understand that Malawi for this solution, we are et je focusing comprends on que pour aggregating cette situation, on se focalise sur les données quantitative agrégées, patient data, y compris les but données I'm not sure personnelles whether it's individuelles, viable to mais do so from pratiquement, high-level health comment records est-ce que or ces capturing données anonymous records. individuelles Is sont there some capturées? digitization Est-ce sur solution? Thank you. papier ou il y a déjà un système For numérique? current individuals, Merci beaucoup pour before les individus. On a d'abord commencé par la version papier, but eventually they do end up to mais their ensuite, TB instance for patient il y a health tracker information. Yeah. So they have the les informations de information tracker on the individuel. Donc, il y a un système qui s'occupe de cela.
Yes, DHS 2, of course. Oui, le DHIS2 est utilisé. That's another topic. yes, another OK. Oui, une autre question. Okay, so I think Alors, yeah, sorry. But so yeah, it's actually time. désolé, je crois que il est l'heure. Si Si vous avez des questions pour les présentateurs, vous pouvez vous approcher d'eux. Et c'est des cas d'utilisation, ça varie d'un endroit à l'autre. Mais c'est des solutions qui existent. Nous vous remercions pour les présentations. Merci beaucoup.